la lecture de Simone lecture et la ferme, que Dieu t'apporte toujours béni. Pour continuer de travailler pour Dieu. Nous pouvons chanter 99 et bien que moi je vais raconter pour pas tout, comment Jésus m'a mis.
les voix de rien, pour nous capables de chanter, pour nous que ce paquet de l'orange à cette main, pour nous donner, pour nous capables d'entendre les voix de la gloire de Dieu. Parce que nous vivons dans la vie, Seigneur. Amen. Amen. Donc on va prier pour l'autre qui n'est pas capable de venir, parce qu'il y a envie d'être présent, mais à cause de douleur, pathologie qui a fatigué au plus. Ensemble avec moi, la gloire de Dieu. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il est assez maître au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il est assez maître au combat. Mais moi-même, moi, je connais tout ça pour différents.
pas manifester reconnaissant envers lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Parce que pour qu'il s'en est pas bon, ce n'est pas parce qu'il est bon, ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il est capable. Pour mon Dieu faire quelque chose pour nous, c'est grâce qu'il fait nous. Grâce ferme, grâce ferme. Et si on l'a maintenant, c'est parce que vous dévoilez ton grâce. C'est pour ça, à moi, paraître dans le visage. C'est pour ça, à moi, dans le cœur. C'est pour ça, toutes sortes de faits, vous faites avec succès. Vous faites avec tout cœur. C'est pour ça, à faire mieux, toujours pas si bien. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous sommes là pour passer chant et témoignage. On est bien ce nom, on est tellement fait pour lui, il veut chanter tous les jours pour la gloire de Dieu. Et il veut témoigner encore pour rendre bon Dieu gloire, pour rendre gloire à Dieu, parce qu'il fait des grandes choses. C'est pour ce matin, m'a fait grâce à sœur Mireille, mon chant, c'est Mireille, grâce à Mireille, mon chant. Oh, c'est tout le monde.
de la chair dans la chambre. Béni soit l'Éternel. Il m'a mis dans un champ, n'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Amen. Et ce matin, je le loue parce qu'il nous a donné un an de plus de mariage et je lui dis merci pour cela. Reine Jésus, je trouve un sûr asile et si mon ciel.
cela sera ou bien c'est cela ou bien c'est l'ordinateur. Jésus, la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus.
traversé Mathieu, dit bon, nous sommes si nous ne pas mettre Mathieu sur le là. Et moi, je suis certain que ce là, si bon Dieu stimule le pile là, il réserve quelque chose pour moi. Amen. Je suis convaincu. Mais, pour toute occasion, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, venus au jeune Seigneur pour les personnes, c'est un genre de bien pile à pile reconnaissance. En pile à pile reconnaissance pour ça nous joindre dans le jeune. Et pour ça nous passer dans le jeune. Parce qu'avant, pour un seul qui est là, avant, je ne tiens pas des personnes, c'est comme si on nous devait dans de l'eau, il plein de l'eau et de la caille. C'est comme ça que ça a payé. Chaque fois qu'il y a un peu avec maladie, il guérit de la caille. Et mon convenu parce qu'il est travail, il est pétant de travail. C'était comme ça, c'était mon puissance qui a dégagé dans je ne tiens pas des personnes. Et moi, vu là, moi, je sentis bien plus progrès aussi parce que moi, pas mal de visages nouveaux. Eh bien, nos nouveaux visages, maintenant, devant le bon Dieu, nous pas nouveaux. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres avec l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous les reconnaissons que nous sommes des disciples de Jésus. Donc, maintenant, je bénis le Seigneur d'une façon spéciale pour les jours. Et je vous dis que nous prendrons un jour tout à fait particulier. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est vivant, il est à la droite du Père pour intercéder pour nous. Et je sais pas qu'il m'a dit le matin, que vous pas jamais oublier ça. Pas jamais oublier ça, mes frères et sœurs, que nous sommes ici des passages. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes pèlerins ici. Et ça, ne pas jamais oublier ça. D'ailleurs, nous, parmi nous, là, beaucoup, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples dans la Bible, nous prenons là. Nous sommes pèlerins. Il y a un jour où il y a l'autre pèlerinage qui est possible. Mais la grande question que je peux me poser moi-même déjà, après le pèlerinage, on a fini qui peut être allé. Et c'est ça que vous pensez dans la tête. Vous comprenez que Jésus mourit pour boire la vie, mais la vie a nous-mêmes pour souffrir pour sauvegarder ce que Jésus m'a dit. Donc, maintenant, dis-donc, mes frères et sœurs, peut-être que vous avez bien, encore bien, qu'il encore parce que la vie m'a demandé moi-même. Mais c'est la seule chose, regardez ça, frère ou Badiel, tout là. Dis, frère ou Badiel, toujours dire, nous sommes pèlerins sur cette terre. Qu'il y ait un jour où nous pèlerins, peut-être que c'est pas la vie. Peut-être c'est pour là. Mais la seule chose, je vous ai chanté, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a tant aimé. La seule chose que vous ne pas savoir, c'est quand lui nous a la vie. Et ça va nous voir des bouts. Et bon Dieu, la compassion, la compassion, la miséricorde. Il faut rester soudé à lui-même. Quel que soit le type de souffrance sur cette terre, on va venir. Parce qu'à votre époque, vous aurez beaucoup de vie dans ce monde, mais après le courage, car je n'ai jamais connu. Le monde est avec la croix. L'amour n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que par le Père de Jésus, il fait tellement pour moi, l'amour n'a pas de pouvoir sur nous. Il dit au revoir pour ta victoire, au revoir pour être le lion. Et nous savons que le lion de la mort, c'est le péché. Et le péché a été engloutié dans la croix par la mort de Jésus-Christ. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Donc en marchant ensemble, en tant que la fille de Dieu, en tant que la fille de Dieu, pour que nous soyons sûrs, quelle que soit la façon à laquelle Dieu nous a appelés, que nous soyons sûrs que nous aurons notre place auprès de notre Seigneur Jésus. Que bon Dieu. Amen. Tout comment on va vous servir, tout comment on va vous louer,
le nom de l'Éternel matin. Wow, tant encore pour samedi arrivé. Parce qu'on sentit bien qu'il y a quelque chose qui est fort dans le jeune. Et si nous la matin, c'est parce que nous disons ça avec toujours dans le cœur. Même si nous fatiguons tout le temps maintenant, mais le samedi, nous n'avons pas pour nous être samedi à arriver pour nous capables de finir pour nous louer le nom de l'Éternel. Marchons ensemble en tant que la vie de Dieu, en tant que la vie de Dieu, pour
nous sommes sûrs, quelle que soit la façon à laquelle Dieu nous a appelés, que nous soyons sûrs que nous ferons notre place auprès des autres élèves. Que votre Dieu. Bien, la personne avec vous tous.
Et nous comptons avec nous ensemble pour briller, pour chanter et pour bailler du corps. Est-ce qu'on est là? Mettez-le en mémoire à eux pour écouter la parole de Dieu, c'est notre frère Léona qui va passer pour nous et qui va prendre la parole. C'est notre frère Léona. Ils se partagent le vêtement
en tirant au sort leur ténèbre. On voit dans ce passage comment Jésus, il a intercédé pour ses bourreaux. Mais pour nous parler de verset ça, il faut y aller bon pour être capable de faire ses médias et les versets immédiats pour comprendre. Pourquoi Jésus, il a intercédé pour ses bourreaux? On dit c'est parce que Jésus, il a identifié son propre ennemi. Il a identifié son propre adversaire. C'est comme si d'après ça nous lit dans la Bible, c'est comme si l'ennemi du Seigneur Jésus, ce n'est pas les principaux sacrificateurs. Ce n'était pas les scribes, ce n'était pas les pharisiens, mais vrai ennemi de Jésus, c'est là, ce sont les forces du ténèbre, les forces invisibles, les forces des ténèbres, les forces seulement qui se liguent ensemble contre la vérité, contre la volonté de Dieu. Parce qu'il savait bien les diables, il connaît la mission du Seigneur de Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus, il est venu sur cette terre? Parce que quand il a vu Jésus, il a vu une réunion de l'éternel. Parce que depuis un jardin d'Éden, bon Dieu lui crée l'homme, il a créé l'homme avec une vie parfaite. Mais Satan lui-même est venu te quitter là, non, dans le ciel. Ézéchiel lui a dit le Adrien, fils de l'aurore. Il perdit le privilège à cause de l'orgueil, et bien il est jaloux l'homme. Il est jaloux nous-mêmes que bon Dieu lui préserve place à nous, parce que nous, les gens, ils péchaient, ils n'ont pas eu une grâce là. Il n'y a pas de faire ça, mais bon Dieu, regardez, il prend une masse là pour lui façonner, et puis c'est cette façon où est dans la Bible, il dit nous, bon Dieu, merci, laisse baisser, lui souffle à l'ennemi, l'autre, et puis il dit, mais il fait toute la voie, fin vivant, laisse ça, pas de tout bagage d'ailleurs, lui est énervé, lui vexé, parce que lui connaît qui ça, qui gagne à côté de Dieu, qui ça qui gagne, non, pas ça, et puis on précipite. Et nous-mêmes, nous gagnons expérience. Nous-mêmes, nous gagnons expérience pour nous aller dans la place là. Et lui, ouais, et ça fait la montée, et ça fait l'écriture, le monde entier est sur la puissance du malin. Toute grâce ça y est, tout privilège ça y est, ça te permet à l'être de récupérer encore. C'est la raison pour laquelle lui, ouais, l'homme, accès pour les juifs, et bien il y allait, il passait dans l'homme, il gâtait grâce à lui, il gâtait l'homme, comment faire pour gâter l'homme, il prenait une bataille que mon Dieu détestait, que mon Dieu lui raillit, il mettait l'homme dans l'homme, pour mon Dieu qu'il raillit l'homme, c'est le péché, parce que nous sommes dans la nature, mon Dieu, dans cette tête, mon Dieu n'a pas m'aider avec le péché. Pour l'homme récupérer grâce encore, il faut qu'il y ait un fils de l'homme qui puisse récupérer la clé de l'humanité. Parce que pour Dieu créer l'humanité, c'est l'homme qui va l'humanité. Pour l'homme gérer, mais l'homme en obéissant au diable, en obéissant à Satan, pour désobéir la parole de Dieu, l'homme il perdit tout privilège, l'homme perdit le pouvoir, l'humanité tout accès de donner pour dans la présence de Dieu, il n'y a pas qu'à dans la présence de Dieu, où elle était là avec chaque mais la garde l'homme qui a sorti en jardin de l'Éden. Mais dans l'homme de Dieu, dans le combat de Dieu, il y a un plan pour l'homme, et il paraît pour la l'âme, il dit toutes les nations de la terre, c'est au béni en toi, la promesse à faire avec Abraham, non, c'est pas seulement Israël que mon Dieu te voit dans le plan. Il était ouais, toute nation. Eh bien, Satan lui campait comme un homme qui est imbattable. Pas des gens qui ont battu. Adam vini, lui pas Adam. Abraham vini, Abraham pas qualifié. Moïse vini, Moïse pas qualifié. Et comme il est imbattable, pas des gens qui ont répondu.
calamité va venir encore. L'Éternel, lui voit un rayon en chèvre qui pour finir. Eh bien, quand j'ai vu, il a venu la vie, il grandit avec sagesse, avec dignité, aux yeux de Dieu et aux yeux de tous les hommes. Et la vie, premier affrontement Satan, c'est dans le désert, premier affrontement Satan, il entre dans les ordres. Et on a fait des pouvoirs, la vie, les tuer toutes, une population de petits bébés, pour conserver le pouvoir, juste pour tuer Jésus. Mais c'est Satan qui inspire dans les rôles, lui passer dans les rôles, Jésus sauvé. La vie, Satan, la continue de travailler parce que plan Satan, c'est pour garder le plan de Dieu. C'est pour lui gâter, même si on te gâte pour Adam, lui besoin gâter pour un deuxième Adam aussi. Que la Bible dit, lui passer par le sacrificateur. La Bible dit, au verset premier, il se lève tous et il conduisit Jésus devant Pilate. La Bible dit, il se lève tous. La nuit de l'arrestation de Jésus, la Bible dit, tout grand sacrificateur, n'est que le royaume, n'est qu'un petit qui est prophétie, ils ont réuni. Là, ils ont lié qui est le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, ça veut dire, c'est un tribunal que les juifs ont gagné pour juger les choses religieuses. Là, ils ont pu mener Jésus dans le Sanhédrin. Ils ont dit, Jésus, mais dis-nous vraiment la vérité. Est-ce que vous êtes roi? Que Jésus qui connaît leurs pensées des sacrificateurs, lui dit, si vous posez une question, est-ce que vous répondez? Si nous interviewons, nous ne pouvons pas répondre. Mais désormais, nous devons nous, fils de l'homme, quand vous venez à la droite de Dieu, dans toute gloire, dans toute puissance, et Daniel, lui dit ça tout, et lui dit ça dans Daniel chapitre 7, quand il est grand Yahvé, lui dit chita tout. Alléluia, il y avait un agneau récemment immolé. L'agneau récemment immolé, c'était le sacrifice du calvaire. Il a dit, on le fit approcher de lui, on lui a donné l'autorité, pouvoir, puissance sur toute la nation. Et Daniel, il était au même corps, dans la toute grande puissance qui est passée, il n'y a pas de traiter. Une dernière puissance, c'était la puissance des hommes. Il y avait sans laisser pour documenter qui a frappé les grands statues qu'il a mis en pièce, dernier comme puissant le rocher qui symbolisait l'église, une puissance invisible qui frappait la puissance des hommes, alléluia, qui mettait en pièce, et puis du rocher là, les villes grandies, lui remplit toute la terre. Est-ce qu'on va voir l'évangile? Lui remplit. Il avait dit, il s'élevait tous et il conduisit Jésus devant Pilate. Il s'est mis à l'accuser. Satan lui portait trois grandes accusations. Mais la pensée diabolique, la pensée démoniaque, s'est donnée à les grands hommes des lois, les grands hommes qui ont pouvoir, qui ont autorité pour exécuter la mort de Jésus. Mais plus Satan principalement, c'est là pour Jésus mourir. Mais le plan principal, Satan, c'est pour empêcher Jésus à rester croire. C'est pour faire faillir la mission. Depuis Jésus, faillir la mission. Pas de l'église, pas de salut, pas de la vie éternelle. C'est la bagaille ça que Jean, l'idée, là où il y a un héros angélique qui t'a prié dans l'Apocalypse. Il dit qui a-t-il d'ouvrir les livres dans l'Apocalypse chapitre 5. Qui a-t-il d'ouvrir les livres? La vie qui nous, lui, on n'a pas de personne dans ce ciel-là. C'est la vérité. Aucun démon pas qualifié, aucun zèle pas qualifié, aucun homme pas qualifié, aucun démon pas qualifié. Il n'y a pas de sagesse assez pour ouvrir le livre-là, pour recevoir.
voyons et pour déclencher les jugements de Dieu. C'est la même qui m'a dit, je lui plairai à Naaman. Pourquoi je lui la plairai? Parce que si pas des humains, si pas des qui sont dans la postérité à temps, qui vous récupérer l'humanité entre la main du diable, c'est la même. Pas de jugement encore, même vous devez faire bien depuis à Nessa, rivez notre année, pas de récompense, pas de jugement, vous devez faire mal, tout le monde, faire crime, pas de jugement, c'est la vérité, la purification de la terre, restez impossible, la terre pas capable de purifier encore, parce que pas de monde qui a fait qualifié, qualifié c'est la vérité, une postérité à temps qui n'est pas péché, qui s'entache. Même pas qu'on frappe le monde, même pas qu'on vole, qui pour le gêner, pour qu'on crée à l'homme et Satan. La Bible dit, j'en ai pleuré, ni crié parce que lui est la purification de la terre restée impossible. Mais pendant que j'en pleuré, la Bible dit non, lui est une 24 vie à yo, qui va nous mettre de réconfort, qui dit, je ne sais pas la peine de pleurer. L'agneau qui a été immolé, il a dit d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Depuis le sang, l'amour commençait jamais, l'espoir commençait jamais pour l'homme et pour l'humanité. La Bible dit, il s'est mis à l'accuser. Première accusation, il a porté sur Jésus, il a dit non ça. La excité nation à la révolte. Elle avait dit à révolter vers là contre le royaume des hommes. Deuxième accusation, ils ont interdit pour payer tribut à César. Ils ont empêché le peuple à payer impôts. Et troisième accusation, ils reprochaient Jésus de se proclamer lui-même roi. Trois grandes accusations pour éliminer le Seigneur Jésus. Fini ensemble avec lui. Elle avait dit, depuis on a révolté contre la nation, c'est elle qui m'a mouillé. À l'époque, César, un petit doigt, c'était suffi pour périr le monde entier. Il a dit, il a empêché de payer tant. Elle avait dit, l'homme a pauvre royaume pour mettre l'économie à genoux. Troisièmement, il s'est proclamé lui-même roi. Elle avait dit, non. Les Pilates, là il y a votre chien privé, il dit avec le Seigneur Jésus. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, oui, je suis roi. Après un entretien privé avec le Seigneur, il dit non. Pilate qui va faire, lui reconnaît l'innocence de Jésus. Lui reconnaît que Jésus, l'innocent, réponse que Jésus va là. Ce n'est pas un danger pour l'homme, ce n'est pas un danger pour l'homme romain. Mais bien aimé, la Bible dit, ou même qui disciple Seigneur, ou même qui a marché ensemble avec lui, que des positions à privé, que des côtés à privé, ou bien que des côtés mal taillés à mettre sur vous-même, ou pas besoin de questionner son bras, comment on va le défendre de tout, parce que la vérité a. Apparaître lui-même, parce que puisque je qui te dis, c'est moi-même qui ai défendu. Ouais, Seigneur, il dit vérité, côté pour nous dire vérité. Et au verset 4, la Bible dit nous, puis là, il retourne vers les principaux sacrificateurs et la foule. Il dit, moi, pas trouver rien dans l'homme ça qui coupable, qui mérite la mort. Mais la Bible dit, foule là, avec sacrificateurs, ils ont crié plus fort, ils ont dit nous voulons la molle, c'est pour clouer lui, c'est pour crucifier lui, parce que lui est venu pour ça, mes bien-aimés. Lui est venu pour être capable de sauver moi ensemble avec vous, pour être capable de donner nous la vie. Et la vie qui, les Pilates qui tendent le Seigneur Jésus, c'est un Galiléen. Et Pilates qui sentit, il y a un problème avec prisonniers, on comprend ça, un prisonnier royal. Pour se dégager de ces prisonniers-là, les Allemands, les pieds et peut-être les Pilates et Rol, ils ont été ennemis depuis longtemps. Et Pilates, ils choisissent l'occasion pour le réconcilier avec Rol, premièrement, et deuxièmement, pour le débarrasser de ces prisonniers. La Bible dit, quand Rol, lui a Jésus, lui
lui a accepté de parler avec Pilate. Parce que lui et Pilate, l'a cherché pour connaître la vérité. Et nous avons que Pilate, lui a essayé faire les morts de justifier le Seigneur Jésus. Mais avec la haine que Satan a mis dans les cœurs des principaux sacrificateurs, il n'arrive pas. Et nous allons l'arriver devant les autres, c'est par le même comportement, le Seigneur Jésus, lui qui était gagné avec Pilate, c'est par le même comportement qu'il gagne avec les autres. C'est par le même comportement qu'il gagne avec les autres. Lui met devant les autres, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé avec les autres même. Parce que quand des gens qui veulent éliminer, quand des gens qui veulent écraser, quand des gens qui veulent jeter, ce n'est pas une question de la vérité, le besoin. Ce n'est pas une question de la force, mais la force va faire le vrai. Ce n'est pas une question de la chercher à connaître. Parce qu'on dit la force innocent, parce que lui-même jeter à terre, lui-même éliminer, la éliminer quand même avec attitude ça, le Seigneur lui voit. C'est pas possible de parler avec les rois. Avec que Dieu vous parler avec lui, c'est gaspiller le temps. Que Dieu vous parler ensemble avec lui, c'est perdre du temps. Parce que Satan déjà entré dans le monde. C'est pour le vide à terre. C'est pour couper ses malades. Ou tes chaudes ou tes chaudes devant bonheur. Ou prendre pas de haute vie sanctifiée. C'est un tépi pour le monde qui passe tout le monde. Qu'on y a un éclat. Regardez, si on est un pays sanctifié, le Seigneur. Et la vérité, l'air et l'autre, lui, ouais, que le Seigneur, ça te conseille, c'est pas ça qui vivait vrai. La Bible dit, quel est le mépris et l'autre, avec tout le monde, il y a bah, le Seigneur Jésus. C'est la vérité, le grand chef de l'univers, le grand Yahweh, le grand créateur, il a commencé à humilier, il a commencé à maltraiter. Yo prend un vêtement royal, yo mette sous lui, pour yo prosterner, pour yo dire salut le roi des Juifs. Il remise lui, lui vit roi, la traite roi, et la retourne roi, et tellement la traite roi. Ou maintenant, la bouche mettons là, pas chercher mes vêtements tout, pas chercher paraître, pas faire pas mal chaud, pas faire l'air, pour y aller essayer une bagarre. Pasteur après bon pasteur, moi je vais envoyer par où, moi je vais envoyer par moi, de moi agir comme ça, ou chanel, ou pas qu'à des grâces, mon Dieu, ou pas qu'à des bénédictions dans vous-même, moi conseiller, répète un petit bourrique là, qui te mette au contour du chemin, non, coup là, la laisser à mes yeux, la croyez prendre quand même, et la laisser à mes yeux. Par les gens qui ont empêché, alléluia, restez dans le grand Dieu, restez au cours, restez dans l'humilité, continuez les corps dans les corps du dimanche, restez dans les corps du dimanche, alléluia, c'est si tu étais au travail dans la ria, pas si tu étais dans la ria, si à tout le monde a pris à être malade, restez pour ces bagailles, identifiez, ça mon Dieu mettez la main. Alléluia. Alléluia. Dans le livre, la Bible dit nous dans le chapitre 23, le verset 12, où auparavant, Pilate et Hérode qui étaient ennemis jurés. Mais pour se liguer ensemble contre le Seigneur, on voit cette inimitié de Pilate et de Hérode se changer là en amitié pour accomplir ce qui a été dit dans les psaumes. Pourquoi les nations se liguent contre les rois de Dieu? Parce que tous les deux étaient contre le Seigneur. Ils étaient très hostiles envers le Seigneur Jésus. Alléluia. On voit dans Luc chapitre 23, verset 12. Ça, c'est
un exemple pour le monde évangélique aujourd'hui. Parce qu'on voit comment le diable, il est capable de faire aussi à des hommes de mettre de côté leur discorde pour s'unir contre la vérité, pour s'unir et pour faire le mal ensemble. Et la vérité, même lorsque Bagayam nous l'a caillé, mais là pour faire le mal, là pour agir mal, il est capable de contrer les hommes pour y mettre des discorde à des côtés mal, pour y arrêter encore, mais pour y unir. Et bien c'est ça qu'il fait, c'est ça qui passe et voilà. Avec Pilate, mais malheureusement, on voit que les chrétiens, ils sont capables de s'unir par amitié pour faire le bien. Ils sont capables de s'unir par amitié. C'est division, division dans l'église, division dans le groupe, division dans l'assemblée, division pasteur et pasteur, division d'un missionnaire et d'un missionnaire. Mais est-ce que c'est ici que mon Dieu nous est? Alléluia. On voit que vie Pilate et Hérode, malgré qu'ils cherchaient, ils n'ont pas qu'à jouer rien contre le Seigneur Jésus. Mais le moment est arrivé pour prononcer ce verdict-là, il faut qu'ils prononcent quand même. Où est Pilate qui s'appelle une réunion d'urgence? Une réunion d'urgence avec les principaux sacrificateurs, avec les scribes, avec les qui, ni moins. Ni Europe, nous ne sommes pas rien dans l'homme ça qui mérite la mort, mais pour satisfaire mission nous, pour satisfaire désir nous, m'a fait battre bien battre pour me faire la guerre. Ouais, quel hypocrite. Ou confirmer avec bouchou, pas rien dans lui-même qui mérite la mort. Mais pour qui ça vous oblige de battre pour faire la guerre? Pour qui raison? Mais malgré ça, on voit que les sacrificateurs, avec les haines qu'ils ont pour le Seigneur, ils ont refusé la proposition de Pilate. Il a dit, cet homme, il faut que cet homme soit mort. Crucifiez-le, clouez-le sur une croix. Alléluia. Qu'elle a dit, pas de le choix, parce que Pilate, pour conserver le pouvoir. Pour conserver le pouvoir, l'y accepter, pour le fermer les yeux sur l'innocence de Jésus, pour le condamner à mort, pour y enlever dans la base, un meurtrier, un homme qui sait pour séduction qui est en prison, pour même qui tue le monde, mais ils ont relâché dans la base, ils ont crucifié Jésus, mes bien-aimés. Mais ça nous capable de souligner. Mais là, je suis apporté à Jérusalem. Sous Tibourique là, tant que nous pour le monde, qui fait toute belle laine, toute belle gras, qui fait toute préparation pour Jésus d'entrer. Mais la vie dit nous, qui foule qui t'a prié pour crucifier-le? Et la vie dit c'est là pour montrer, ou même pasteur, ou même petit pasteur, ou même petit évangéliste, arrêtez. Il a dit, on va le chercher très sévèrement. Et Jésus, il a pris le chemin de l'exécution. La Bible dit, ces jours, les trois croix ont été dressées sur le mont Calvaire. Celle de Jésus était au centre, un brigand à sa droite. Et un brigand à sa gauche pour s'accomplir ce qui
par le prophète Esaïe. Il a été mis dans Esaïe, chapitre 53, le verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, quoique son innocence. Pour qui ça? La Bible dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. À l'époque, système de la mort, ça, il n'est pas réservé pour tout citoyen. C'était pour criminels. C'était pour monde qui était fini. Mon société a été rejeté. C'est pour eux, j'en ai mort à terre. Mais sache bien, le Seigneur Jésus, il était accepté pour la nation. Il était accepté la mort pour moi-même ensemble avec vous. Il était accepté ainsi, malgré les insultes, malgré le mépris, malgré la moquerie, malgré l'ironie. Mais la Bible dit, ils l'ont mis un habit royal sur Jésus pour lui dire, salut les rois des Juifs, alléluia. Mais malgré ça, le Seigneur, il était accepté de mépris, il était méprisé, malgré les va-et-vient qu'il te fait, dans le jour de nuit, ça, Pilate à Hérode, Hérode à Pilate, et Hérode encore retourné à Pilate, mais le Seigneur, il n'a pas renoncé, il te résiste parce qu'il connaît, il a une mission pour lui venir accomplir. Puis beaucoup, Satan prend mes bien-aimés, puis beaucoup attaque Satan. Ouais, Jésus, il prend le monde de la croix, parce qu'elle connaissait à la croix, Jésus prend le croix et tête lui. Tel que Jésus, il monte la croix, pas de espoir pour lui-même encore. Jésus prend le débrouiller de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance. Malgré lui, il passe par Abraham, il pas bon, il passe par Héron, il pas bon. Et la Bible dit, il est allé dans le désert, il passe avec grand goût à Jésus résister. Passé avec convoitise, Jésus résister. Il passé avec l'orgueil, Jésus résister. Alléluia. La Bible dit passé par la sensibilité des pierres. Il passé par la sensibilité des pierres. Dans Matthieu chapitre 16, verset 22, avec toi, la Jésus l'a fait description. Comment il va mourir, comment il va souffrir de la part des sacrificateurs, de la part des hommes des loyaux, et puis passer par Pierre pour toucher pitié de Pierre. Et Pierre qui prend le Seigneur, a parlé de mettre à Dieu, pas dit ça, ça va jamais arriver, parce que la Bible dit nous, Pierre c'était un zélote, zélote, là c'est la Bible, c'est un homme avec des peines, il pas jamais réguler, avec des peines, il pas jamais faire. C'est pas avec Pierre que vous parlez. Avec Dieu intérieur, avec Dieu visible, c'est Satan qui passe la chemin ça. Alléluia. Pour dévier le Seigneur. Parce que pour Satan, c'est pour l'église pas exister. Dans l'église pas exister. Pas de un homme qui vous courir avec, qui vous met dans la terre, qui vous battre. La purification de la terre est impossible. C'est la vie qui pas de jugement. Pourquoi pas de jugement? Dans l'oubli, même si nous faisons mal, ça passe dans l'oubli. C'est mystère ça que bon Dieu l'a cherché moyen pour le rebénéficier. Alléluia. Mais nous presque terminer là, parce que nous devons arrêter, nous devons gagner 45 minutes. La loi ne passe pas bien, il n'est pas bon. Et Satan dit, ouais, j'ai dit vraiment, l'immunité à quoi nous pouvons vous parler. Le verset 34, lorsqu'il fit arriver au lieu appelé crâne, il les crucifiait là, et qu'il l'a démarqué l'un à droite et à gauche. Malgré ça, on a perdu la bataille, malgré qu'on n'a pas gagné la bataille, mais la paix.
Lui, il n'y a pas de réponse. Quand il y a une passe par l'autre, il prend le temps de dire dans la condition qui est là. On va le expliquer là, nous. Parce que la psy vit même une agression avec nous. On va le voir si la préconne est passée dans l'autre. Il dit, Jésus, quand tu es dans ton verre, souviens-toi de moi. Depuis qu'il a pris l'autre et qu'on a la parole. Pourquoi tu dis, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de connaître le monde Jésus. Alors, il prie, non, il nous a tué, non, il nous a fait mal. Il dit, tu as tourné Jésus, c'est lui. Il dit, Jésus, l'or est dans le royaume. Tu vas le faire, tu as pas parlé. Il n'y a pas la haine. Jésus va aller battre de l'amour. Alléluia, Satan était réjoui.
Seigneur, son nom est
Thank you.
Amen. Merci, alléluia. Appuyez le Seigneur. M'exhortant toujours à prier. Ma demeure. Tu connais des moyens? Ah oh, ah ouais? Amen. Je dis merci à notre groupe vient à la source qui va au matin qui est avec nous. Et tout le monde est toujours avec nous. Hein? Alors nous invitons pour venir à la source, c'est chaque samedi. Hein? Ce n'est pas lorsqu'on a pu une ville mettre. Chaque samedi. Chaque samedi, le groupe vient à la source le monde. Nous invitons de venir avec nous pour nous capables de chanter ensemble, prier ensemble et réussir. Alors, juste avant de passer le flot, on a les 5 à 6 minutes pour chauffer un petit peu, pour revenir un petit peu. Alors, Faune, à côté de là. Oui. Ok, Faune, la paix de Dieu avec nous. La paix de Dieu avec nous. Ça veut dire que nous vivons dans le Dieu avec nous. Là, nous, là, qui nous nous met en courant. C'est pas vrai. Laissez-y nous mourir sur la croix pour tout le monde. Ah, c'est pour nous-mêmes de mourir moi-même. C'est pour moi? Ah, c'est pour nous? Combien moins de l'amour sans fin, combien moins de l'amour sans fin.
voulez rester jusqu'à 18h, c'est vous-même. Mais si vous voulez partir à toi, pas de problème. Hein, on va marier comme t'as dit pas. Et on va pour rester jusqu'à 18h. Alors, samedi prochain, c'est le groupe FB qui vient jeune en fait jusqu'à 18h. Voilà. Et puis, samedi encore, c'est pour le fête que toi, c'est dimanche 19 juin. Alors, on va commencer à préparer. 19 juin 2022. On va fêter 32 années, 32 ans. 32 ans depuis l'exister. On a fêté 32 ans. Et le 19. Et pour l'instant, nous déjà gagné en lice. Nous avons 8 groupes déjà. Qui a préparé pour venir fêter avec nous. 8 groupes. Et nous avons 2 groupes encore après la caution. Peut-être qu'on arrive dans 10 ou 11 groupes. Alors on a commencé, c'est fait la fête du matin, la fête de 10h30 à 10h30 à 13h30. C'est le matin. On va faire la fête. Alors dimanche, 19, comment se préparer? Comment se préparer même les jours pour faire propre, mettez belle les jours pour sentir bon, pour nous venir louer le Seigneur. Puis belle linge, qui ferme l'armoire pour nous mettre sur ça, pour nous louer le Seigneur. La parole est à vous. Et nous venons tout pour nous à la ronde palette bien chapé. Bien cher, pour nous venir le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il a tout le monde qui a mis Jésus. Ça veut dire qu'on a déclaré Jésus à terre. Non, mais c'est Jésus qui mettait tout la terre. Jésus mettait tout la terre. Non seulement Jésus mettait tout la terre, Jésus traînait en public. Jésus me reste debout. Pour ça que le roi, ça, pour nous venir adorer. Par exemple, gloire pour tout ça fait. A deux témoignages, et son séance qui a témoigné. Et nous avons bien 2 minutes pour témoigner. Par exemple, ce que nous avons est essentiel. On a fait tout bien. On est capable de se faire tout en direct. Voilà. Merci, merci. Voilà. Nous, maintenant, on va entrer dans la prière. Nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter Jésus, pas ton sang précis. Le numéro 65. Hein. Français. Jésus,
mon sauveur, je suis venu briser les douleurs. Lâche au sang qui me vit mon cœur.
Dieu a pour nous. Dieu a pour nous un appui qui ne monte dans la détresse. Amen. Amen. Oui, maintenant nous allons chanter ce créole qui dit là Jésus mourit sous calvaire. Pour que mon était mourir. Alléluia. Jésus mourit sous calvaire. Et il mourit, c'était pour moi. Un temps de naissance, combien de
Je t'aime, papa dans le ciel.
Oh,
Maintenant, on va prier pour nous, pour les malades. L'acte de la éternelle, qui est malade, l'acte de douleur, l'acte de douleur, dans le nom de Jésus, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes à la maison, si vous êtes malade, alors que vous mettez ma petite foi, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Vous êtes malade, mettez-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et Dieu est invité, nous sentiment abandonné. Moi, chercher ses bouts sur la terre, pas besoin. Moi, Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
maintenant, au moment où nous allons terminer, nous allons être au Gabi, passer une forme de prière pour nous de terminer nos prières. Au Gabi, après, on va dire. C'est bien. Et on va garder maintenant le message là. Après, on peut dire bon Dieu, livre Satan en des spectacles. Non seulement livre en des spectacles, mais des courriels. Pourquoi aller pour le monde? Vous prenez tout ce qu'il y a dans le Jésus prend tout pour voir Satan. Et nous, on peut voir Satan, mais là, il y a un rire. C'est ça que nous avons mis en plus. Alors, très vite, tu vas déjà mettre ce problème là, dis, je prie au Dieu, tu vas déjà. Ma prière, mon Dieu, pour mon Dieu, capable de continuer à faire travailler dans nous-mêmes. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, papa chérie, dans le ciel là. C'est parce que vous avez un pouvoir avec Satan et vous délivrez un spectacle. Et après, vous dites, oh mort, parce que c'est lui-même que l'auteur d'abord. Oh mort pour être la victoire. Oh mort pour être le lion. Et le lion de la mort, c'est le péché que tu as abouti à la croix. C'est pour ça que le péché n'a pas bien pouvoir sur mon corps. Parce que il y a écrit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort a été aboutie. Ils ont battu pour être là, il a péché. D'ailleurs, c'est pour ça que tout est accompli. Parce que maintenant, on a payé pour avoir conçu. Seigneur, nous merci pour vous prouver ça au grand nom maintien et réunir la présence, cher Seigneur, pour notre échange de gloire, Papa mon Dieu, oh Papa, dans un moment très spécial, chaque chrétien, fidèle Dieu, moment qui permet de réfléchir avec souffrance, avec passion. La passion de l'homme, c'est avoir une belle voiture. La passion de l'homme, c'est avoir une belle maison. La passion de l'homme, c'est avoir une belle famille. La passion de l'homme, c'est d'accaparer la plus la richesse. Mais passion, c'est de sauver l'humanité du péché. D'où l'importance de mon Dieu, d'où l'importance de voir le grand Dieu, même seul vérité. Papa, ok, prends-toi pour libérer de la puissance, de la puissance de la mort. Et nous crions à la croix et foi, nous sommes libres, car il est écrit ici que vous avez franchi. Vous êtes réellement libres. Nous avons été affranchis par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes libres, Papa mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les chants que vous avez chantés. Merci pour toutes les prières qui ont été faites. Merci pour le message, sa parole. Merci pour ton bien-aimé qui a été dirigé. Merci pour ton serviteur, au évangéliste Frère Papa mon Dieu, qui est toujours là, avec sa famille, qui est toujours là. Quoi qu'il arrive, il est toujours là, Papa mon Dieu. Nous réclamons dans le nom de Jésus une bénédiction spéciale pour cette femme, Seigneur mon Dieu, Papa. Papa, nous le moment, cher Seigneur, on va se séparer de la chair, on va quitter lieu, ça, Papa mon Dieu. N'abandonne, cher Seigneur mon Dieu. Même l'esprit qui accompagne le matin qui me vit là, Papa mon Dieu. Et que c'est même l'esprit qui a conduit chaque serviteur, chaque serviteur qui rentre dans l'heure de mes perspectives, afin que nous puissions pas qu'un incident malheureux à continuer de prier. Nous pouvons s'attendre dans la tête de piège, mais pour le nom de Jésus, nous déclarons Satan ou à la terre. Au nom de Jésus, n'abandonne pas à nous. Que chaque serviteur, chaque serviteur qui rentre dans la caillou, c'est un sort. Et demain, si Dieu veut, nous va retourner encore pour continuer à faire des croix, à faire des louanges, Père Saint. Nous voulons dire merci, ça c'est mon Dieu, que tout soit béni, que tout soit béni, ça c'est magnifique. Donc, au nom de Jésus, qui vous a accusé pour toujours. Amen. Merci. Attends, juste avant de partir, juste avant qu'il faut que nous fassions la bénédiction, nous allons faire une réunion avec Hygène Petit, parce que ce matin-là, nous allons faire une réunion pour nous prier pour ces cas, c'est pas une cas, c'est ça. C'est pas une cas. Oui. Alors, nous, mon frère, nous venons à Isma, c'est frère, nous prions pour nous, pour nous prier pour nous, pour nous prier pour nous. Mais Père, tout puissant, nous montre-nous déjà
qui vont rêver chaque petit du Seigneur dans Jean 3, 16. Et bien Dieu, c'est là où on fait nous, pour aimer nous, pour nous, Seigneur. Mais c'est Marie-Claire, mais on peut s'en compter le petit qui est là. Mais on peut s'en demander au nom de Jésus-Christ, nous pas passer au l'ordre, mais seulement, nous demandons que c'est même puissant sous l'île, Seigneur, parce que nous connaissons que nous avons posé. Si tu as des maladies, maladies guéries. Si tu as des problèmes, problèmes, et tu as des résoudre. Mais on peut s'en demander, vous mettez force sous, non, faible esprit, en ce moment même. Et de Dieu pour être capable de camper, et de Dieu debout, pour être capable de sentir une force, pour y être ça, et de Dieu dans le monde, ça, Père puissant, Père adorable, et de Dieu, vous avez un servant là, visitez le Seigneur, visitez le Seigneur, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le monde, mais nous-mêmes, vous avez côté ou pas, vous êtes dans le secret, et de Dieu, c'est pour nous. Mettez un bruit, Père Tout-Puissant. Mettez un bruit dans votre faiblesse. Pour être capable de marquer victoire en victoire sous maladie, Seigneur. Parce que nous connaissons que l'un de l'heure qui est sous la mer, pour la maladie, c'est l'ennemi au milieu. Mais que nous sommes dans le docteur, maladie, c'est l'ennemi, Seigneur. Donc, oui, que c'est le seul, Père Tout-Puissant. Et par le pouvoir de cet esprit, pour être capable de vous, et de Dieu, enlève-vous, Père Tout-Puissant, pour être capable de voir une grandeur. Au nom de Jésus-Christ, et nous t'en prions, Père, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 Fogamine, une semaine. Voilà, regardez bien Fogamine comment elle commence à marcher. T'as mon avec vous. Jésus contre la vie. Jésus contre la vie. Somme 34, verset 8. L'ordre de l'éternel autour de ceux qui les craignent et ne s'arrachent au danger. Somme 3, verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'éternel est mon soutien. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec cette parole que nous recevons la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la douce communion intime du Saint-Esprit Saint, soyez et demeurez si chacun de nous d'ici présent, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Père et le Seigneur vous bénissent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ajoute que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse chaque jour. Allez en paix. Ce que tu es, reçois la gloire.